Mes chers élèves, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va compléter notre dossier 1, sous titre Une tchatch. Qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? Comment conjuguer le verbe être au présent? S'il vous plaît, faites attention. Regardez bien ces phrases. Je suis français. Répétez après moi. Je suis français. Tu es professeur? Tu es professeur? Ils sont calmes. Ils sont calmes. Vous êtes français? C'est une question. Vous êtes français? Je suis professeur. Regardez bien. Je suis. Vous êtes. Je suis. Vous êtes. Très bien. Ils sont calmes. Ils sont calmes. Car il, c'est le sujet, son, c'est le verbe, notre verbe être, calme, c'est compliment. Ils sont calmes. Vous êtes français? Vous êtes français? Vous, c'est le sujet, être, c'est le verbe. Français, c'est le compliment. Très bien. Regardez bien, verbe être. Répétez après moi, s'il vous plaît. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il, elle, est. Il, elle, est. Nous sommes. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont, ils, elles sont. Très bien. Mais quand est-ce que j'utilise le verbe être? Quand est-ce que j'utilise le verbe être? Regardez bien cette question. Hassan, tu es heureux? Regardez bien l'image. Tu es heureux? Heureux ici, un adjectif. Il est comment? Hassan est comment? Il est heureux? Hélène est contente. Hélène est contente. Contente, c'est le même sens. Heureux et contente ont le même sens. Bravo! Vous êtes ingénieur? Non, nous sommes docteurs. Vous êtes ingénieur? Non, nous sommes docteurs. Regardez bien, ingénieur, docteur, ce sont, bravo, ce sont de professions. Après le verbe être, vient aussi les professions. Excellent. Pierre et Jérôme sont français. Sylvie et Brigitte, elles sont françaises aussi. Regardez bien. Après la conjugaison de verbe être, vient. Bravo, français. C'est quoi? C'est un adjectif de nationalité. Après le verbe être, vient la nationalité. Excellent. On utilise le verbe être pour dire la nationalité. Tu es français, je suis français, je suis libanais, etc. Pour dire aussi la profession. Il est lycéen, il est professeur, il est docteur, etc. Après le verbe être vient un adjectif. Comme par exemple, ils sont calmes. Ils sont calmes. Ils sont comment? Ils sont calmes. Très bien. C'est le verbe être. Regardez bien. On va conjuguer verbe être au présent autrefois. Faites attention et répétez après moi, s'il vous plaît.
Je suis, tu es, il, elle est, il, elle est, excellent. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Répétez, je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Excellent. Tu sais dire ta nationalité et ta profession? Moi, je suis égyptien. Et toi, tu es de quelle nationalité? Quelle est ta nationalité? Et pour la profession, je suis professeur. Quelle est ta profession? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Tu sais dire ta nationalité? Moi, je suis libanais. Et toi, quelle est ta nationalité? Excellent. Et maintenant, voyons ces exercices. S'il vous plaît, faites attention. Choisissez la forme convenable. Numéro 1, Ali est, on a trois choix, libanaise, libanais, libanaise avec OS. Où est la bonne réponse ici? Ali, ici, c'est un nom masculin ou féminin? Bravo! Ali est un nom masculin. Libanaise, c'est un adjectif. Bravo! Féminin. Libanais. Bravo! Masculin singulier. Libanaise avec OS. Bravo! Féminin pluriel. Donc, où est la bonne réponse ici? Ali est libanaise. Libanais ou libanaise avec OS. Excellent. Ali est libanais. Numéro 2, Marc est américaine, américain, américain. Ici, américain avec S et américain sans S. Excellent. Marc, c'est un nom masculin. On va choisir donc, bravo, américain, Marc et américain, masculin singulier, mais ici américain, féminin singulier, américain avec S, pluriel, bravo. Numéro 3, sa mère est directrice, directeur, directeur avec S au pluriel. Sa mère, c'est un nom masculin ou féminin? Excellent, c'est un nom féminin. Donc, on va choisir un adjectif féminin ou féminin. Donc, la réponse va être sa mère est excellent directrice. Numéro 4, Mona est coétien. Coétienne, coétien avec S. Mona, c'est un nom féminin ou masculin? C'est un nom féminin. On doit choisir un adjectif au féminin. Donc, la réponse va être Mona est excellent. Coétienne. Numéro 5. Pierre et Marc sont italiens avec S, italiennes avec OS ou italiens sans S. On remarque ici, il y a deux personnes, ce sont Pierre et Marc. Mais Pierre et Marc, ce sont des noms masculins ou féminins? Très bien. Ce sont masculins, ce sont Pierre et Marc. On doit choisir un adjectif au masculin pluriel.
Donc, la réponse va être Pierre et Marc sont italiens, italiennes, italiens sont excellents. La réponse va être Pierre et Marc sont italiens parce que Pierre et Marc sont deux personnes. Choisissez la bonne conjugaison. On va conjuguer les verbes entre parenthèses. Numéro 1. Mes amis, regardez le nom ici. Singulier au pluriel. Excellent. C'est un nom au pluriel. Mes amis égale le pronom sujet. Il au pluriel. Le verbe être va être suivi avec mes amis sont au son. Oui, la réponse ici. Bravo. Mes amis sont en manée. Numéro 2. Nous, le verbe entre parenthèses, verbe s'appeler Marc et John. Nous, on va choisir t'appelles, s'appelle. Nous appelons, bravo, nous appelons Marc et John. Ici, le pronom sujet, le premier sujet, ici, le pronom sujet, je, avec verbe habiter, va être habite avec ES, habite avec E, habiter avec OZ. Où est la réponse ici? Bravo. J'habite à Saint-Meyer. Bravo. J'habite à Saint-Meyer. Numéro 4. Mon frère parle. Oui, la réponse est si. Excellent. Mon frère parle arabe et français parce que mon frère égale le pronom sujet il au singulier. Numéro 5. Tu, le verbe entre parenthèses, c'est le verbe être. Le verbe être avec le pronom sujet tu va être être et ou est. Où est la réponse? Excellent. Tu es saoudien. Tu es saoudien. La dernière question, vous, avec le verbe s'appeler, va être vous appelez, m'appelle, s'appelle. Oui, la réponse. Excellent. Vous appelez comment? Merci à vous et à la prochaine.